Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Track Day. On continue aujourd'hui avec une deuxième Porsche au programme, la 911 GT3 991. Un modèle très très sympa à piloter, sincèrement. Du pur Porsche, que ce soit dans le son récupéré déjà du jeu ou que ce soit dans le comportement. Cette voiture développe 475 chevaux pour un couple à 440 Nm, une vitesse de pointe à plus de 315 km/h, même si ça va être difficile de le voir sur cette Nordschleife. 0 à 100, 3 secondes 5 et un poids de 1425 kg. Cette voiture est absolument démentielle avec son moteur de 3,8 litres. Sincèrement, c'est une voiture très bien réalisée, très bien modélisée. C'est un mode avec lequel j'ai pris un pied démentiel sur la Nordschleife. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas amusé comme ça avec un mode sur Assetto Corsa. La dernière fois, je pense que c'était avec la Ferrari F1 F300, donc c'est pour vous dire. Très bien réalisé, très beau comportement, visuellement c'est parfait. Toutes les vues sont adaptées puisque la voiture a été développée pour la version 1.5.9 d'Assetto Corsa. Donc il y a même la vue tableau de bord qui est une des nouveautés du jeu. Vous allez la voir sous toutes ses coutures, vous allez la voir aussi un petit peu à la faute parce que c'est la Nordschleife et ça reste compliqué. En tout cas, vous pouvez retrouver cette voiture dans la description en téléchargement et je vous conseille vivement d'aller l'essayer sur des pistes comme Spa, la Nordschleife ou même Mid-Ohio, enfin bref, des pistes qui bougent bien du train arrière. C'est un vrai plaisir. En attendant de prendre le volant de cette Porsche, je vous invite à profiter de ces quelques plans de la belle machine sur la Nordschleife et vous connaissez la tradition, montez le son. Thank you.